Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment bloquer les données mobiles sur certaines applications uniquement. Alors, cette procédure est assez simple. Déjà, pour ce test, on va prendre YouTube par exemple. Disons qu'on veut bloquer l'accès à Internet uniquement sur l'application YouTube. Voilà. Ce qu'on va faire, on va ouvrir Play Store et on va aller dans la barre de recherche et on va taper NetGuard, tout simplement, et on va lancer la recherche. Maintenant, on va pouvoir identifier NetGuard No Root Firewall. Donc, on va installer l'application et on va l'ouvrir. Quand elle sera installée, on va tout simplement cliquer sur Ouvrir. Maintenant, l'application va s'afficher comme ceci. Et maintenant, pour bloquer l'accès à Internet à certaines applications, ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur la barre de recherche tout en haut et tu vas choisir l'application. Dans notre cas, on va choisir YouTube. Voilà. Et on va bloquer l'accès à YouTube. Comme tu peux le constater, on a bloqué l'accès à YouTube. Si je ferme ici, tu peux constater, si je rafraîchis, YouTube sera tout en haut comme bloqué à accès à Internet. Donc, si maintenant que YouTube est bloqué à accès à Internet, je veux activer NetGuard tout en haut à gauche. Je vais l'activer, je clique sur OK. Voilà, maintenant elle est activée tout simplement. Maintenant, je rentre sur l'application YouTube et j'essaye d'ouvrir. On va la fermer, on va essayer d'ouvrir à nouveau. On va ouvrir YouTube. Tu peux remarquer que même si je rafraîchis plusieurs fois, YouTube ne va pas s'ouvrir parce qu'actuellement il est bloqué à l'accès Internet. Tu peux remarquer la clé tout en haut, donc YouTube sera bloqué. Maintenant, si je veux désactiver ce paramètre, je vais venir ici et je vais fermer. Voilà, et je vais activer l'accès Internet sur YouTube et je vais fermer YouTube. Voilà, et fermer NetGuard tout simplement. Et si je reviens sur YouTube maintenant, je pourrais voir que je peux surfer sur YouTube tout simplement.